J'ai surtout pu prendre confiance en mon niveau à l'oral, parce que j'étais pas sûr de pouvoir tenir des conversations à l'oral, etc. Mais finalement, durant les cours et durant le soir avec l'immersion, j'ai pu me rendre compte que ça allait plutôt bien et que je peux m'améliorer encore. C'était super bien, les familles sont adorables, on discute bien, etc. On est vraiment bien accueillis. Et de repartir en fait avec plein d'astuces et de méthodes pour progresser encore l'année prochaine et revoir finalement où est-ce que sont nos vraies faiblesses. Une réelle collaboration, dans le sens où on n'est pas beaucoup, donc on est quatre, ce qui permet d'avoir vraiment un échange entre nous. Et en même temps, on est tous là pour progresser, donc on va s'aider, on va se partager des méthodes si on en a. Et il y a vraiment une collaboration pour tous progresser ensemble. C'est mon père qui a trouvé cette formule sur internet, on avait parlé, ça avait l'air plutôt sympa. Et je m'attendais à travailler les méthodes des différentes épreuves des concours, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et franchement, le stage il a plutôt bien répondu. Et aussi, je recherchais une aisance à l'oral, et je pense que cette aisance, on la débloque dans la vie en famille. Donc c'est sympa, il y a un équilibre entre les concours et les enseignants.